message est un art, une discipline, un sacerdoce, diraient certains. Une répétition incessante, faite de tout petits gestes anodins, qui se renouvellent. De patience, de doute, d'espoir, de rêve. Emmanuel et Stéphanie, comme tant d'autres cavaliers, vivent chaque jour cette grande aventure, avec la même foi. Ça rythme ma vie de venir tous les jours. Une journée sans voir ma jument, c'est compliqué. Et puis cette notion de répétition, de venir les voir tous les jours, de savoir comment ils sont, de savoir s'ils vont bien, s'ils vont pas bien. C'est évident que tous les jours, on fait la même chose. Souvent, je vais monter à cheval le matin. C'est pas pour ça que je le fais comme une contrainte, sinon je le ferais plus. Et tous les jours, en fait, on reprend le travail de la veille. Donc on a vraiment l'impression de construire une maison tous les jours et de continuer à avancer, parfois à revenir en arrière ce qu'on a besoin. Et puis le fait de beaucoup répéter, de beaucoup connaître les chevaux, fait que parfois, quand ils sont pas bien, on va faire un travail plus léger que ce qu'on avait prévu. Et si on connaît pas les chevaux, c'est compliqué de bien pouvoir l'analyser, ça. C'est pas une notion de travail, on se lève le matin pour ça, quoi. Mais après, c'est du travail quand même, quand on se retourne un petit peu, qu'on regarde ce qu'on a fait, d'où on est parti, ce qu'on fait maintenant, on se dit on a quand même travaillé. Et c'est vrai qu'on le fait chaque jour, et c'est vrai que ça nous prend du temps chaque jour, et ça nous prend beaucoup d'investissement sur tous les plans. Mais c'est une vie. C'est la différence qu'il y a entre le travail et la vie, je crois. Tu viens, papa ? Tous les jours, c'est remis en question, hein, parce que les chevaux, ils sont pas tous les jours de la même façon. Et puis nous non plus. Et puis le jour où on arrive à être en symbiose avec le cheval, c'est ce jour-là où on se dit ok, ça marche. Et puis un jour, ça va marcher. Et puis le lendemain, va falloir recommencer. Et puis c'est ça qui est fantastique, parce que c'est jamais pareil, c'est jamais acquis et c'est à remettre en jeu tous les jours, quoi. La répétition fait que de toute façon il faut être patient et les chevaux ils peuvent pas apprendre du jour au lendemain tout, ils vont se construire petit à petit, donc ça demande des heures et des heures de répétition déjà pour que les chevaux comprennent ce qu'on leur veut, et le fait de répéter va rendre le travail de plus en plus facile, parce que ce qu'ils ont appris un jour ils vont pouvoir le répéter le lendemain et on va pouvoir aller de plus en plus loin. Dresser à cheval, en fait, c'est une construction qui est vraiment logique. Faut aller du simple au compliqué. Il faut pas hésiter à redescendre d'une étape quand l'étape n'est pas acquise. Faut progresser doucement, mettre les marches les unes par-dessus les autres. Si on cherche pas à aller plus vite que peut l'enregistrer et le faire le cheval, si on n'est pas trop gourmand, qu'on demande et qu'on récompense, ça se fait assez facilement, quoi. Oui. Il faut rester dans des gestes qui sont simples et toujours répéter les mêmes,
de manière à instaurer des codes avec les chevaux qui soient toujours les mêmes. Comme la musique, la gamme, elle est toujours la même. On n'a rien inventé, on reproduit que ce qui a été déjà fait et déjà vu par nos ancêtres. Et on fait que répéter ça et on essaie de le faire le plus justement possible. Pour simplifier, ça commence par des aides de contact. C'est-à-dire qu'il y a les aides de propulsion, les deux jambes pour faire avancer, les deux mains pour ralentir. Et puis il y a les aides latérales qui amènent le cheval à se déplacer latéralement. Elles servent ou à le déplacer ou à le contenir vers l'avant, vers l'arrière ou latéralement. Donc il faut lui apprendre d'abord l'obéissance aux aides de contact. Et puis au fur et à mesure qu'on atteint un équilibre davantage sur les hanches, on va plutôt aller vers des aides de poids qui à ce moment-là remplacent les aides de contact. Alors c'est vrai qu'il y a l'image dans les cirques du gars qui marche sur un ballon. On est dans un équilibre tout ce qu'il y a de plus instable, hein, c'est-à-dire que 3 grammes vers l'avant, ça entraîne le ballon. Et on est dans cette configuration-là, quoi. C'est-à-dire que plus le cheval est sur les hanches, plus il est dans un équilibre instable, et il va s'agir de quelques grammes à gauche, à droite, vers l'avant, vers l'arrière. Oui, hands together, the neck straighter, ride the neck straighter. Oh, très bien, très bien. And then make a transition to walk and to pay attention to the neck of the horse. It has to stay stable in the transition. Garde ton attention sur la stabilité de l'encolure dans la transition au pas. Très bien, très bien. Good. That was a good correction. That was correct. Tell her it was correct to do this because she should not correct the horse with her hands. She should correct the horse with her leg and with her seat. Oui. You're cantering on the left lead. So the right spur says, come, 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 and change. Okay? Keep the left rein. Keep it. Keep the left rein. Keep the left rein. Better. That was better. Catherine, elle travaille donc énormément dans la préparation et donc dans la répétition, et elle ne fait jamais passer un autre exercice tant que le précédent n'est pas acquis. Donc ce qui permet aux chevaux de trouver un cadre et de se tranquilliser et de se rassurer dans des choses où ils maîtrisent avant d'aller plus loin. Et j'ai lu un petit dicton l'autre jour qui disait qu'en fait, ce qu'un jeune cheval n'avait pas appris, le vieux l'apprendrait jamais. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce que c'est vrai en fait. Je pense que si on a grillé des étapes, après c'est très compliqué de revenir en arrière. Et tout ce qui est mal appris est impossible à réapprendre. Pour moi, le dressage, c'est comme une conversation fascinante tous les jours avec mon cheval. Donc, je trouve le dressage passionnément intéressant parce que c'est comme si j'avais une conversation vraiment riche avec quelqu'un. C'est une route à deux voix. Je veux dire, je parle, il répond. Il parle, je réponds. Mais c'est un langage complètement physique. Mon cheval ne comprend pas l'anglais. Il comprend uniquement les mouvements de mon corps. Et quand je comprends aussi les mouvements de son corps, nous pouvons communiquer à travers le mouvement de nos corps. C'est juste comme une conversation fascinante. Et il n'y a rien de mieux dans la vie que de mener ce genre de conversation avec quelqu'un que l'on aime et que l'on respecte au plus profond de soi. Mon cheval est tout cela pour moi. Voilà pourquoi le dressage est si passionnément intéressant. Thank you.
que le plaisir à faire des choses simples, il ne va pas venir complètement tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'enseignant soit capable de faire découvrir au cavalier justement l'intérêt de faire les choses correctement, essayer de lui faire sentir. Et c'est vrai qu'actuellement on a tendance à aller vite et à pas s'attacher à ce genre de choses. De nos jours, les gens tiennent à peine à cheval et déjà on les fait sauter avant d'apprendre à aller au pas, au trot, au galop, marcher droit, faire des cercles ronds, etc. Ce qu'il y a, c'est que ces choses simples, en fait, elles sont assez compliquées. c'est pas les airs relevés, et après, c'est la suite logique de ces choses simples. Mais la rectitude, le fait de monter de l'arrière vers l'avant, le calme, la tension des rênes, la mise en main, l'assiette, ça va être les mêmes procédés que dans les mouvements compliqués. Donc, ça a autant d'importance, finalement. Et c'est aussi compliqué, effectivement, de passer une transition du trot vers le pas en gardant le cheval droit, droit de hanche, d'épaule, au bout de ses rênes, de fonctionner comme il faut. C'est pas facile, hein. Et sur le prochain grand côté, tu demanderas quelques foulées de trot moyen. Le compacter bien, emmagasiner de l'énergie pour pouvoir le laisser partir. Voilà, et on y va. Très bien. On retransitionne, on repasse au pas, on s'arrête, on recule. C'est un geste technique quand même et qu'il faut travailler, répéter. Et c'est vrai, même quand on a un cheval de Grand Prix, on n'échappe pas à la règle. Il faut régulièrement revenir à ces transitions simples. Et quelquefois, on fait les mêmes séances que celles qu'on fait à des 4 ans ou à des jeunes cavaliers. On y va, donc on va attaquer session à la jambe. En faisant très attention d'équilibrer vos chevaux dans votre côté droit, de manière à ce qu'ils puissent aller de côté sans se déséquilibrer. En essayant d'avoir l'encolure le plus droit possible et toujours en recherchant la qualité d'allure et la décontraction dans le trot. Voilà, en essayant de le décontracter un tout petit peu plus, malin. Et sur le prochain grand côté, tu le refais céder dans son côté droit. Et on profite pour rallonger un petit peu le trot sur le prochain grand côté. Ok Axel, en essayant de chercher encore un peu plus de rondeur dans ton trot, plus de rebond. Ok. Et on rallonge le trot derrière. Très bien, Axel. Très bien, Floriane. Impeccable. Et on rallonge le trot. Dans le travail, ce qui est très important au niveau du cavalier, c'est déjà un bon positionnement. Parce qu'un cavalier mal positionné à cheval, il n'est pas indépendant dans ses aides. Donc, il a des mouvements parasites avec ses mains et avec ses jambes qui ne peuvent pas donner des ordres précis au cheval. Donc, je pense que c'est vraiment la première des choses à faire. Et beaucoup de pays, comme l'Allemagne ou les États-Unis, où ils prennent beaucoup de temps à positionner les gens, ils ne leur apprennent rien à faire tant que la position n'est pas parfaite. Essayez d'être très à l'écoute de la locomotion de vos chevaux et de la décontraction que vous pouvez avoir. Reste-toi un tout petit peu plus, Aurore. Moins couché en arrière. Voilà, très bien. C'est un petit peu fastidieux au départ de faire beaucoup de mise en selle pour les jeunes cavaliers, parce que c'est moins attrayant que faire tout de suite des mouvements. Mais je pense que si on a un rôle à jouer en tant qu'enseignant, c'est déjà d'inculquer ça aux enfants, de bien les positionner, que ce soit en dressage ou en obstacle, de manière à pouvoir après passer des caps bien plus vite, parce qu'une fois bien positionné, on a réglé pas mal déjà de problèmes et donner des bonnes bases afin de pouvoir être indépendant dans le travail de tous les jours. Thank you.
On s'exprime, quoi, à cheval, je trouve. On n'a pas besoin de parler, on sait ce qu'on a à l'intérieur, et on a comme ça tout d'un coup beaucoup de force, beaucoup de courage, par l'intermédiaire du cheval, je veux dire, qui est un animal qui a de la force et du courage, et qui avance, et qui est beau, et c'est... C'est évident que les chevaux sont intelligents. Je crois qu'on les a longtemps considérés comme justement des animaux qui étaient un peu bêtes, un peu justes. C'est vrai que si on vit avec eux et qu'on les étudie, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est évident qu'ils font pas de mathématiques, ils sont pas capables de résoudre les équations, mais ils ont une intelligence, ils ont une manière de parler, et ils disent très clairement ce qu'ils pensent et il faut savoir décoder. On se rend compte que de toute façon, les chevaux, ils nous connaissent aussi et que je pense qu'il y a quand même une partie de jeu qui fait que de temps en temps, c'est les chevaux qui vont un peu prendre le dessus sur nous et de temps en temps, nous, quand on leur demande de faire quelque chose. Mais de toute façon, il y a cette complicité qui fait qu'on ne peut pas continuer à monter à haut niveau s'il n'y a pas... sans ce petit truc qui fait que c'est vraiment un couple et notre façon d'être, de leur demander les choses, les chevaux, ils savent exactement comment on est le jour où on monte dessus, quoi. Ce rendez-vous quotidien est un grand édifice que l'on construit pierre après pierre. Et peu importe le temps qu'il nous faudra pour aboutir. Ce qui compte, c'est la route qui nous emporte vers l'exigence de la qualité. Albert Jacquard disait « L'important n'est pas d'être meilleur que les autres, ce qui n'a aucun sens, mais d'être meilleur que soi-même. » Le cheval aime prendre le temps de comprendre et de faire. Il découvre avec nous le plaisir de se dépasser lui-même. On est à une époque où, au siècle de la vitesse, les gens cherchent des raccourcis dans les procédés, dans les embouchures, dans les méthodes d'entraînement, etc. Je crois que tout ça, c'est un chemin qui n'est pas le bon. Il faut rester sur le bon chemin. Et tout a été écrit par les grands maîtres et il ne faut pas s'en éloigner. Il n'y a qu'une recette, c'est de travailler en y mettant tout son courage, tout son cœur et beaucoup d'amour. Le cheval, ça se dresse avec soit un filet, soit une bride, point barre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas tout ce qui est artifice, enraînement, etc. Faut essayer à tout prix de les éviter. Je suis comme tout le monde, je suis un peu passé par ça parce que j'ai voulu essayer, parce que quelque part j'ai moi aussi essayé de prendre des raccourcis et puis le temps faisant son office, je me suis aperçu que ça c'était des chemins qu'il fallait pas prendre. Il faut prendre le cheval comme il est aussi. C'est un peu quelque chose qui se perd. On cherche à fabriquer des chevaux maintenant pour faire des choses. On ne prend plus les chevaux tels qu'ils sont. On achète des chevaux pour faire ci. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, ils sont très étonnés quand on s'intéresse à leurs chevaux en disant « Ah, mais c'est pas un cheval qui va faire ci, qui va faire ça. » C'est égal, je veux dire, que ce soit un poney, un cheval... Ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'animal, c'est le prendre tel qu'il est, l'amener pour qu'il soit bien épanoui, bien dans son corps, et puis qu'il travaille avec son cavalier. Et ça, c'est important aussi de remettre le cheval un peu au milieu du débat, quoi. C'est vrai que ça commence par ça, quoi. Je veux dire, c'est à tout niveau, il faut essayer de faire les choses correctement. On va dire qu'une fois que le cavalier a une certaine autonomie à cheval, il faut qu'il s'attache à exécuter correctement les choses simples. Exécuter, par exemple, des transitions du trot au pas et du pas au trot. Correctement, c'est-à-dire passer d'une allure à l'autre sans qu'il y ait d'un coup, sans qu'il y ait de faute, avec le cheval qui reste stable sur la main, droit, etc.
Ça va servir pour la suite. Il faut vraiment s'attacher à faire toutes ces choses simples correctement. Faire des voltes rondes, marcher droit, essayer d'avoir le cheval calme, en équilibre, confiant, etc. Tout ça, ça peut paraître rébarbatif, mais c'est ça qui fait que petit à petit, on construit et qu'on part sur des bases solides. Je crois que le père de l'équitation moderne, c'est la guérinière. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pas inventé grand-chose depuis. Quoi. Il faut, ça doit servir de référence. Allez. Dans la transition. Voilà. Bien. Ok, on fera la même chose à gauche. Voilà, pas trop court devant. Hein. Oui. Voilà. Comme ça, bien pour l'attitude. Un peu vite. Voilà, c'est un peu vite, mais mieux pour l'attitude. Bien. Voilà, ça, très bien. Moi, j'essaie de rester dans les principes de l'équitation classique. Et puis, en dehors de ça, c'est une histoire qu'on vit à trois. Quoi. C'est-à-dire que c'est un triangle entre Stéphanie, le cheval et moi, et on essaye de communiquer tous les trois et de mettre nos trois cerveaux ensemble pour tirer dans le même sens. Ok, on fera, quand tu veux, on fait une session pour changer de main. Voilà, un petit peu plus d'activité. Oui. Voilà, ça bien. Bien. Il est très intéressé par les chevaux. Oui, ok, on va faire les transitions trois arrêts. Ouais, il y a un peu croupe dedans. Hein. Oui. Bien. Bien. Ok, on essaie de la refaire encore une fois pour la faire en une fois. Ok, on fait la session de l'autre côté et les arrêts à gauche. Activité. Un peu moins les épaules dans le coin, un peu plus la croupe. Voilà, ça oui.
Oui. Les anciens disaient le rassembler anime. Ah, le rassembler anime, ça veut dire que plus le cheval est sur les hanches, et plus il est dans la configuration, par exemple, d'une cravache qu'on appuie sur le sol et qui se met en arc, si on lâche la cravache, elle bondit vers le ciel. Et on a ce phénomène-là avec le cheval, c'est-à-dire que plus on le met sur les hanches, plus on provoque de la détente vers l'avant et vers le haut. Par définition, quand le cheval est rassemblé, il se porte de lui-même, puisqu'il porte une grande partie de son poids sur ses hanches. Et par conséquent, il ne vous le fait pas porter sur la main. Donc il y a, plus il est rassemblé, moins il y a l'effet de force. Voilà. Et puis on arrive au rassemblé par un certain nombre d'exercices, on va dire les deux grandes familles d'assouplissement, les assouplissements longitudinaux, les assouplissements latéraux. Mais c'est vrai que quand on a réussi à rassembler un cheval, on devient un peu prisonnier de ça. Il faut y aller, quoi. Hein. Une fois que tu as trouvé, c'est un équilibre aussi pour le cavalier qu'il faut réussir à reproduire. Une fois qu'on a goûté ça, on rassemble tous les chevaux, on essaye. Hein. Je pense que le fait de réussir à avoir la légèreté et réussir un mouvement avec un cheval, c'est fantastique, parce que même si on a l'impression de savoir faire, des fois on n'y arrive pas forcément, et le jour où on arrive vraiment à se dire ben là c'est ça et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller, ben c'est vrai que c'est une sensation très agréable et qu'on va essayer de reproduire par la suite dans le travail au quotidien. Miss Marple, elle a quand même pas mal de caractère. J'ai pris beaucoup de temps pour l'apprivoiser, parce que c'était une jument qui n'était pas facile à 4 ans. Il a fallu beaucoup de patience au départ, parce que c'était vraiment une jument pas simple. Et petit à petit, à force de la connaître et de prendre le temps de faire les choses et de beaucoup travailler en extérieur sur la confiance, de la faire passer dans des endroits qui l'inquiétaient, elle s'est rendue compte que finalement elle n'avait pas peur et que le fait de lui demander quelque chose, elle avait confiance en moi et elle a bien accepté après le travail. Le jour du concours, on se concentre un peu plus et le cheval sent notre attente. Il entend notre respiration et découvre nos tensions ou notre calme. Pour lui, comme pour nous, c'est un jour différent. Il y a un autre décor, une autre carrière, d'autres bruits. D'autres odeurs, d'autres chevaux, d'autres visages. Il faudra pourtant être comme à la maison. Ou peut-être même meilleur. Une reprise de dressage, c'est tout un enchaînement de figures qui va faire qu'on va travailler des gammes avant d'arriver
à cette finalité qui sera l'enchaînement des mouvements. Et tous les cavaliers ont le même texte de reprise, donc après c'est l'émotion qu'on va en donner dans la reprise. Bon, bien sûr la réussite des mouvements, mais aussi l'expression des chevaux. Plus ils vont être brillants, plus ils vont être... Il faut presque que les juges arrivent à oublier chaque mouvement et juste à regarder la beauté des chevaux. Le regard d'un juge de dressage, bah c'est un peu un regard de spectateur, puisqu'on est juste à l'extérieur de la piste, mais de spectateur très concentré et très intéressé pour à la fois avoir un peu un regard de cinéaste, hein, c'est-à-dire voir comment ça bouge. Parce qu'un cheval de dressage, c'est un athlète ou c'est un danseur étoile ou comme un patineur artistique, ça bouge, ça fait des pas, ça fait des figures, donc c'est beaucoup du mouvement. Ensuite, c'est aussi un œil de psychologue. Parce qu'on regarde la relation entre le cavalier et le cheval, le but c'est qu'ils s'entendent bien, qu'on voit rien, c'est ça qui est beau dans le dressage, c'est pas qu'il y en ait un qui soit contraint ou qui domine l'autre, c'est quand même des animaux de 600 ou 700 kilos, et pour les manier au doigt et à l'œil comme ça, juste avec le poids du corps, c'est pas évident, on va pas dire que c'est facile, mais c'est ça qui est passionnant. Et puis l'œil du juge, c'est aussi l'œil du photographe, parce qu'on va regarder l'attitude du cheval, comment il se tient, s'il s'engage bien, s'il est bien sur le mort, c'est-à-dire qu'il se laisse guider ou plier d'un côté de l'autre. Et puis on a aussi, hélas, comme il y a des figures à faire, un petit œil de gendarme qui vérifie, qui fait bien l'exercice au bon endroit. Hein. C'est comme en obstacle où il doit faire un parcours d'un certain ordre. Et c'est un peu tout ça. Et on en synthétise ces différentes manières de regarder dans une note pour chaque mouvement, ce qui fait 30-40 notes en 6-7 minutes. Et ce qui est finalement un système assez mathématique, mais très juste, d'évaluer la performance sur le rectangle de dressage. On n'est pas sur le cheval, on est dans le cheval. C'est-à-dire, moi, je m'assois sur un cheval, en dressage en particulier, on a l'impression de rentrer dedans, on fait corps avec le cheval, c'est vraiment le mythe du centaure, quoi. On se colle complètement au cheval, on est collé par l'assiette au corps du cheval, et on est en contact avec la bouche, avec la main, en fait. Et on fait partie du cheval. Moi, c'est la sensation, c'est je suis cheval. Je pense cheval, je sens cheval, ce que je fais, ce que mon cheval fait, c'est ce que je ressens à travers lui. C'est une espèce de communion entre les deux. Et je pense que c'est ce qu'on recherche dans le dressage, en fait. Et le cheval respire, vous le sentez respirer, il a son cœur qui tape, vous sentez le cœur qui tape, vous demandez des choses qu'on ressent vraiment, vous serrez un peu les jambes, hop, il s'engage, vous résistez, hop, il cède, vous rendez pour le récompenser. C'est une communion permanente de tous les instants avec lui. Et je trouve que c'est ça ce qui est extraordinaire. Et qu'on ressent aussi d'ailleurs quand on... Enfin après, moi, j'ai ce contact-là avec les chevaux dans la vie, je veux dire. Cette espèce de communion permanente avec eux. Et je pense que pour bien monter à cheval, d'ailleurs, il faut vivre avec eux, à mon avis. C'est un avis personnel, mais je pense qu'il faut être très proche.
Marc et Monique sont deux passionnés de dressage. Et depuis bientôt 30 ans, ils élèvent des chevaux pour cette discipline. Dès les premiers instants de leur conception jusqu'à leur naissance, puis de leur naissance jusqu'à leurs premières heures sous la selle, ils accompagnent leur poulain vers la confiance. Voilà. Pas trop bougé depuis ce matin. Quarante à droite. Ils connaissent leurs peurs, leur fragilité, leur force. Ils découvrent chaque jour un peu plus sur la grande sensibilité de ces animaux. Ils s'en nourrissent pour grandir eux-mêmes, apprendre et se remettre en question inlassablement. C'est beaucoup moins infiltré, donc elle va bien répondre, je pense, à la corvée. Bon, c'est calme. Allez, on va l'asséminer maintenant. Pour être complet, moi je pense que ce qui est vraiment très important, c'est qu'il y ait une symbiose entre les éleveurs, les entraîneurs, les cavaliers. Parce que je pense que la réussite d'un élevage, c'est la réussite des chevaux que cet élevage fait naître. Voilà, bravo. Être éleveur, c'est un métier de passion. Bon, passion, mais une grande passion. Ça prend un temps énorme, mais par contre, il y a des moments somptueux quand vous avez un poulain que vous voyez naître. Dès le départ, vous avez dit ce poulain-là, j'ai croisé tel étalon, tel jument, le produit que je vais avoir, je pense qu'il va être comme ça. Il naît, par chance, il correspond. Et en plus, dans toute sa vie, il vous satisfait. C'est-à-dire que ses premiers concours de modèles allures, il les gagne. Ses premiers concours de compétition de dressage, il les gagne. On se dit, bon, on va l'amener au niveau, il arrive au niveau, il gagne. Bon, pour un éleveur, qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme récompense que ça? C'est ce qui vous permet de tenir, de vivre, d'espérer, de croire à ce métier. Parce que bon, à côté de ça, c'est un métier qui est bon, qui est usant, qui est fatigant, qui est... Mais bon, tout ça, ça disparaît par ces chevaux qu'on aime, par ces animaux qui ont une générosité, qui ont une beauté, une grâce. Bon, tout ça, c'est ce qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer. L'intérêt de suivre l'évolution d'un cheval, de la naissance au summum de sa carrière sportive, c'est d'apprendre à écouter un cheval. Parce qu'un cheval, ça grandit, ça évolue, etc. Donc quand on apprend à écouter son cheval, c'est-à-dire que quand un cheval fait une poussée de croissance, par exemple, il faut être capable de s'en rendre compte, être capable de ralentir le travail, être capable peut-être de le laisser 2 ou 3 mois arrêter pendant cette phase de croissance. Ça permet à un cavalier de devenir un véritable homme ou femme de cheval. Parce que ce qu'on voit trop aujourd'hui, malheureusement, et qu'on voyait très probablement beaucoup moins dans notre génération, c'est qu'on a des cavaliers qui font du cheval. J'utilise intentionnellement le verbe faire. Ils font du cheval comme on fait du vélo, on fait de la mobilette. Mais on ne fait pas du cheval. On naît avec son cheval, on vit avec son cheval. On sent son cheval, on sent ce qu'on peut lui demander, on sent à quel moment on peut lui demander. Et ça, je crois que, pour moi, c'est la base de la formation d'un véritable homme ou une femme de cheval. Et ça passe par une patience, par le respect du cheval, par le respect des rythmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, si aujourd'hui je devais m'occuper d'équitation, d'enseignement d'équitation, je pense que ce serait la base de ce que je ferais passer à mes élèves.
un bel équilibre naturel. Hein. Ouais. C'est là qu'on touche la frontière entre le sport et le côté artistique, quoi. C'est qu'on cherche vraiment à sculpter un cheval, et quand on est cavalier et puis qu'on regarde les jeunes chevaux comme ça, on se projette déjà qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce cheval-là, comment je vais pouvoir le mettre physiquement, mentalement. Et puis c'est une quête sans cesse, et c'est ça qui nous fait tenir, justement. Partir d'un cheval qui sait que sa vie à lui, sa vie, son état de cheval, et puis le faire un peu rentrer dans notre civilisation, c'est ça qui m'intéresse aussi. Tous les chevaux sont différents, donc à chaque fois c'est une exploration nouvelle, parce qu'on va commencer un cheval et il sera peut-être pas comme celui qu'on a monté avant, et donc il va déjà falloir trouver comment il fonctionne et savoir dans quel ordre on va attaquer les exercices pour qu'il apprenne le plus facilement possible. Même si on a une progression logique à suivre, de temps en temps ça va pas correspondre forcément au cheval qu'on a à travailler sur le moment. Chacun a sa technique de dressage. Néanmoins, je pense que ce qui est important pour les chevaux, c'est de varier le travail. Parce que les chevaux, la répétition, ils ne savent pas trop pourquoi on leur fait répéter tous les jours. Même si elle est nécessaire, parce que je pense que les chevaux trouvent un confort dans la répétition. Ils ont besoin de répéter pour se rassurer. Néanmoins, eux, on les oblige à répéter. Et de temps en temps, ils ont aussi besoin d'aller changer les idées, d'aller faire autre chose. Donc... Il faut réussir à varier le travail et réussir à être à l'écoute des chevaux quand vraiment on sent que ça va plus, qu'ils en ont marre, qu'ils sont plus attentifs et qu'ils sont plus disponibles. Il faut savoir faire autre chose et voir les oublier un ou deux jours, qu'ils aillent au paddock ou qu'ils aillent se promener et faire un peu autre chose pour pouvoir attaquer dans de meilleures dispositions. C'est le fait qu'on monte sur les chevaux qu'il est déséquilibre. Alors, ils ont plus ou moins d'aptitude à se mettre sur les hanches, naturellement. Mais je veux dire que c'est nous qui perturbons leur équilibre. Et c'est un des grands, une des grandes quêtes, justement, que de mettre le cheval en équilibre, malgré notre présence. Ah, c'est bien. Okay. Essayez de la refaire en remontant, comme tu as fait là. Aux deux temps, voilà, en essayant de pas trop le serrer avant. Alors, bien le monter de l'arrière vers l'avant et grand. Le cheval doit être soumis par le fait qu'il a quand même une attitude à avoir et des mouvements à respecter. Par contre, soumis, ça ne veut pas dire complètement vaincu.
parce qu'un cheval vaincu n'est pas un cheval convaincu. Donc du coup, il faut absolument qu'il soit, il reste dans les exigences de ce qu'on lui demande, mais dégager une émotion et un vivant qui où il garde ses allures brillantes, où on a l'impression presque qu'il est en liberté et plus avec nous dessus, qu'il sommes en train de dégrader ses allures et le restreindre dans une boîte. Le but, c'est qu'il sorte de sa boîte, qu'il fasse ses exercices et qu'il soit très vivant, qu'il relâche le plus d'émotions possible. J'aime bien l'idée qu'il s'agisse de faire reproduire au cheval, sous la selle, des airs qu'il exécute de lui-même en liberté. Et c'est vrai que c'est une entreprise qui n'est pas simple, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est difficile. Et puis, cette entreprise, il faut essayer de faire en sorte que ça se fasse avec le concours du cheval. Et qu'ils le vivent bien, parce que c'est vrai que eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à ce qu'on leur monte sur le dos et qu'on leur fasse faire du piaffé, du passage. Donc il faut essayer de le faire en parfaite harmonie. Transmet en tant qu'élève, je trouve d'abord, avant la technique, avant ce savoir-faire, c'est cette pureté d'aller vers le cheval tel qu'on est. C'est d'aller à l'essentiel, au geste, sans fioritures, sans raccourcis, sans colère. On va dans le cheval et indépendamment de la technique, dans la philosophie, il faut être toujours... brave, quoi. Je veux dire, même en tant que cavalière, il faut pas se dégonfler, il faut y aller, il faut aimer son cheval, réfléchir avec ça, il faut être digne, il faut... Parce qu'un cavalier, c'est pas juste quelqu'un qui monte sur un cheval, il y a aussi autour de ça toute une image. On est un petit peu descendant de chevalier aussi, quoi. Et il y a tout ça qu'il faut, avec Dominique, il faut avoir. Il faut être digne, il faut se tenir droit, il faut être habillé, il faut parler correctement, il faut être courageux, il faut pas faire aux autres ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Toutes des choses comme ça, une ligne de conduite, et c'est ça que je veux dire, quoi. C'est tout ce qui va autour, c'est comme ça que je me représente le cheval aussi, quoi. C'est, le cheval, ça triche pas. Ça, je m'apporte dans ma vie la stabilité, la rigueur, et puis cette recherche constante en fait de faire bien et de répéter le bien surtout, parce qu'on peut être bien un jour et pas être bien le lendemain. Et puis de cette remise en question permanente qui est importante, je pense, d'une part dans la vie et d'autre part dans l'enseignement. On se remet en question systématiquement, parce qu'il y a des jours où on va être performant, d'autres où on va moins l'être. Et puis du coup, ben, quand on est performant, on est content, on veut recommencer. Quand on n'est pas performant, et ben, on se dit ben, je vais encore travailler pour être meilleur la prochaine fois. Et du coup, ben, c'est sûr, on continue toujours et il n'y a pas de fin, quoi.